Chérie. Quoi? Je tiens de sources sûres. Et quand je dis sûre, elle est sûre que Miss Claire Marie Kyle compte aller, malgré notre veto, à la fameuse boum de chanter. Ah oui? Et qui a bien pu te procurer cette information? Eh bien, en fait, j'ai pris le téléphone pour passer un coup de fil. Et je me suis rendu compte qu'elle était en pleine conversation, alors j'ai patiemment attendu le téléphone à l'oreille. Autrement dit, tu as joué les espions. Non, j'ai seulement surpris les activités suspectes d'un individu que je soupçonne de se moquer de nous. Michael, tu sais ce que je pense du fait d'espionner les enfants? C'est honteux. Mais je l'ai entendu me traiter de minable. Tu es minable. Tu as tout bonnement violé les droits de tes enfants. Le seul droit que je concède à mes enfants, c'est le droit de garder le silence. Et tout ce qu'ils diront à leurs copains ou copines au téléphone pourra être utilisé contre eux dans mon tribunal. Écoute, mes enfants ont des droits et je refuse de prendre part à tout ça. Enfin, chérie. Non. Se montrer plus malin que nos enfants, c'est le seul truc qu'on a pour s'éclater quand on est parents. Sinon, on doit se contenter de changer leur couche, payer les factures et se coltiner ce qui est censé être notre devoir. J'irai là-bas ce soir et je me pointerai en pleine fête. Si je prendrai une photo de Miss si j'ai des droits et je la mettrai sur le mur de la honte. Dégage! Mais il faut absolument que je te parle. Pas maintenant, Caddy, j'ai pas le temps. D'accord, mais tu m'en voudras pas quand tu te feras piquer. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, mais rien, tu n'as pas le temps. Oh, mais j'ai toujours le temps pour ma petite sœur préférée. Là, tu fais insulte à mon intelligence. Mais non, c'était pour rire. T'as dit quelque chose du genre que j'allais me faire piquer? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça a l'air délicieux. C'est délicieux. Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'adore quand ils sont à la cerise. T'as qu'à en prendre deux. Fais-moi signe quand tu me prendras au sérieux. C'est bon, tiens, je te les donne tous. L'info d'abord. Sans le constituant, j'ai d'énormes trous de mémoire. J'étais sûre que j'étais à la suite. Papa est au courant pour la boum, il a l'intention de te coincer. Comment tu le sais? Un petit oiseau me l'a dit. Je peux avoir mes bonbons? Seulement la moitié, le reste quand t'auras fini le job. Quel job? Je veux que tu me préviennes quand papa quittera la maison. Là, tu pousses un peu de fou. Non, attends. Regarde, j'ai déjà tapé, les carottes sont cuites. Quand papa quittera la maison, t'auras qu'à appuyer sur ce bouton. Et dès que j'aurai le message, je pourrai me planquer. T'as des questions? Une seule. Pourquoi t'as mis des chaussettes dans ton soutien-gorge? Dégage!